Objectif atteint, affirment les inspecteurs de l'aviation civile de l'espace UEMOA, spécialisés dans la délivrance des licences au personnel après 11 jours de formation à Abidjan. Ils sont parvenus à se familiariser au nouveau manuel de procédure d'inspecteur de transport aérien élaboré en 2011 par les États de l'Union économique et monétaire ouest-africaine plus la Mauritanie. Ce manuel porte entre autres sur les procédures d'organisation d'un examen de pilote privé, la procédure de validation d'une licence étrangère de pilote, la conversion d'une licence de pilote professionnel et l'uniformisation des réglementations et des procédures administratives de transport aérien au sein des États membres de l'UEMOA plus la Mauritanie. Le volet théorique de la formation achevée reste aux inspecteurs, licences de l'aviation civile, d'appliquer les nouvelles procédures en vue d'assurer une sécurité aérienne sûre et efficace au sein des 8 États de l'UEMOA. Je lance un appel pour que les États puissent donner les instructions qu'il faut pour que, au niveau des ministères, au niveau des usagers, ces réglementations soient appliquées. L'atelier d'Abidjan recommande également au gouvernement de mener des audits sur la certification des centres de formation, des centres d'expertise médicale et des unités d'évaluation de compétences linguistiques du personnel de l'aviation civile de l'espace UEMOA.